Shri Putra Atra Surupam Rupam Tasya Graja Muri Purim Maturim Koshtuartim Radha Kunda Magivaram Oh Radhika Madhvasam Prapto Yasa Pratita Kripaya Sri Guru Tam Natos Urave Chavi Sundaraya Tasmai Maha Prima Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Bhaktavi Smrali Manara Radhikars Kumama Kripa Nidhe Supriya Charna King Kurim Kuru Tvaivasmi Najivami Tvayavana Tivikyaya Devi Tvam Nayamam Chana First of all, I offer my sustained dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmatiya Paramarada Tama Guru Pada Padma, Nitya Lila Pravisht Om Vishnu Pad, Ashtotara Satasri, Rupanugachari Vaya, Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev and to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Vancha Kalpa, Not from me, but from Krishna. No, this one is from Krishna with Radharani, Radha Krishna. The Krishna of Radharani. By the causeless mercy of Sri Gurandabhan, we are here.
The instructions of Sri Chaitanya Mahaprabhu to Sanatana Goswami on the subject matter of Prayojan Tattva. Par la miséricorde sans cause de Guru et Golanga, nous pouvons écouter les enseignements de Chaitanya Mahaprabhu à Sanatana Goswami sur le sujet du Prayojan. This morning we heard how Bhav is not any substance or energy of this material plane. Nous avons ce matin entendu que Bhav n'est aucunement une substance de ce monde matériel. It is the combination of Sambit and Ladini, Krishna's own consciousness and pleasure potency. C'est la, une combinaison du Sambit et Ladini Shakti, l'énergie de conscience et l'énergie de joie de Krishna. So, this energy, Bhakti Shakti, it gives joy to Krishna himself. Cette énergie, la Bhakti Shakti, donne de la joie à Krishna lui-même. And when this bhav appears in the heart, then the heart becomes softened. Quand le bhav apparaît dans le cœur, alors le cœur s'adoucit. But when that influx of Shuddha Sattva Visheshatma, spiritual energy, becomes stronger, more deep, then the heart that has been softened now completely melts. C'est quand ce flux de l'énergie spirituelle devient de plus en plus condensé, de plus en plus profond, alors le cœur qui s'est adouci fond complètement. And the devotee becomes the imbued with very intense mamata tishayankitaha, very intense mamata possessiveness for Sri Krishna. Et le dévot devient complètement submergé par ce sentiment de possession qu'il a envers Krishna. Now, Sri Chaitanya Mahaprabhu will briefly describe the stages that lead up to the attainment of prey. Là, Sri Chaitanya Mahaprabhu va brièvement nous enseigner les différentes étapes, les différents stades qui nous amènent à prem, à cet amour divin. So, these verses are very important. You should know the essence of these verses. Ces versets sont très importants. Nous devrions vraiment connaître l'essence de ces versets. Ado sadha tatha sadhu sangatha bhajana kriya tato natani vritisyat tato nishtaru chistata. Tatha saktis tato bhavas tatha premad yudantiti sadakayam ayam premna pradubhave bhagat kramaha. Alors, c'est là. He's explaining that ado shraddha means in the beginning there is shraddha, faith. Ado shraddha, au début il y a shraddha, la foi. Tato sadhu sangha. And then there is sadhu sangha, the association of sadhus. Tato sadhu sangha, ça veut dire qu'après de cette foi vient la compagnie des sadhus. But we should understand that before shraddha there was also sadhu sangha. Et bien sûr, il faut comprendre que avant shraddha, avant la foi, il y avait déjà sadhu sangha, la compagnie des sadhus. By associating with the sadhu and listening to the explanation of scripture, then you have a very strong visvas, confidence in the shastrata, the meaning of scripture. This scripture is true. En écoutant les enseignements du sadhu, alors nous développons une ferme assurance que les shastras sont réels, les écritures disent la vérité. And so that faith, that is shastrata shada, faith in the meaning of scripture comes from sadhu sangha. Et cette foi envers les Écritures vient de la compagnie des sadhus. So, in this system, in this sequence, sorry, then the second stage is called sadhu sangha, because the second stage of sadhu sangha is bhajana riti shikshartham, is for the sake of getting guidance on how to practice bhakti. Donc, dans cette séquence, ce deuxième sadhu sangha, c'est un sadhu sangha qui nous enseigne la façon dont nous allons procéder et développer notre bhajan pour atteindre la bhakti. So before sadhu sangha, you were just listening and you develop confidence, faith. And then, now you are associating specifically for bhajana riti shikshartam, for the purpose of getting instructions in how to practice bhakti.
Donc le premier Sadhu Sangha nous a permis de développer la foi dans les Écritures. Puis le deuxième Sadhu Sangha nous permet d'obtenir vraiment des directions pour notre pratique spirituelle pour développer la bhakti. So, Srila Vishwacharita comments, Bahushwapi Krameshu, Satsu Prayakam, Ekam Kraman. There are many ways in which a person may attain bhakti, but this is the most common sequence in which a person attains bhakti. Srila Vishwacharita Kaur, il commente qu'il y a plusieurs façons dont un pratiquant peut développer sa bhakti, mais ça c'est généralement la séquence par laquelle tous les pratiquants passent pour atteindre la bhakti. So after the one enters into that process of associating to get guidance in bhakti, then the one takes initiation. Après s'être donc pris la compagnie des sadhus pour obtenir une guidance dans sa pratique dévotionnelle, alors il prend l'initiation. And then the next stage, Bhajana Kriya comes. Puis l'étape d'après, c'est Bhajana Kriya. So Bhajana Kriya, some people think, oh, in this stage, now I will internally serve the lotus feet of Radha and Krishna because it's the activities of bhajan. So Bhajana Kriya does not mean actual bhajan. It means Mukunda Goswami says, Bhajana Kriya, Bhajanasya Karanam. It's the cause of one coming to the stage of bhajan. Parfois, certains pensent que Bhajana Kriya, ça y est, j'ai atteint le niveau où je peux méditer sur les pieds par les lotus de Radha Krishna. Mais non, Bhajana Kriya, ce stade-là, ce n'est pas le réel bhajan. Mm-hmm. Et Mukunda Goswami l'explique que c'est ce Bhajana Kriya, c'est ce qui permet d'atteindre plus tard le réel bhajan. So those activities, they are practiced now, and in the mature stage, they are the upadan karan, the ingredient cause that in the future, they will become the actual above my sadhana, sadhana full of emotion. Donc ces stades-là, simplement les ingrédients qui vont causer par cette pratique d'atteindre la maturité dans le bhajan et une sadhana pleine d'émotions spirituelles. So then, by practicing very carefully, anartha nivritti takes place, the removal of anarthas. Puis en pratiquant de façon très régulée, alors vient anartha nivritti, c'est-à-dire. So, Rupa Goswami explains that the sadhana bhakti, the practice of bhakti, removes pap, that is sins, pap bij, the seed of sins, some impressions in the heart of the worldly activities, and finally removes avidya, ignorance. Rupa Goswami explique que le bhajan, il nous débarrasse, il débarrasse le cœur des péchés, de la racine des péchés et de avidya, de l'ignorance. So, anartha nivritti, in this stage, there is the removal of prarabdha karma and aprarabdha karma. Actually, first aprarabdha karma, the karma that is coming from previous lives, and prarabdha karma, karma of this life. Et donc, dans ce cas-là, anartha nivritti dit qu'on libère le cœur du karma qui vient des vies précédentes et du karma de cette vie-là. Then, by practicing bhakti in the stage of nishtha, steadiness, gradually, the papa bij, the seeds of sin, that is the samskaras in the heart from worldly activities, they are destroyed, leading to the appearance of ruchi, taste. Puis en pratiquant le bhajan avec nishtha, avec une stabilité, alors les graines du péché dans le cœur disparaissent et petit à petit, ça laisse place à ruchi, au goût, on va pouvoir goûter. And then, in the stage of asakti, deep attachment, that is avidya nivritti. Puis au niveau de ashakti, c'est profond. Remove avidya. Attachement, c'est avidya nivritti, c'est-à-dire ça enlève l'ignorance du cœur. And then, bhava. Et puis après, il y a bhava. So, the anartha nivritti, in the stage of anartha nivritti, that is aprarabdha and prarabdha karma nivritti. In the stage of nishtha, that is gradually removing the, so that was pap nivritti, then pap bij nivritti, and then in the stage of asakti avidya nivritti. So when we speak of anartha nivritti, these are the stages wherein
First pap, then pap bij, and then avidya are removed gradually. Donc quand nous parlons d'anatta nivritti, en fait au niveau d'anatta nivritti, c'est pap nivritti, c'est la, le péché qui est enlevé, puis c'est pap bij nivritti au niveau de nishta, donc c'est-à-dire la racine ou la graine du péché, puis avidya nivritti au niveau de asakti, c'est-à-dire l'ignorance qui est enlevée du cœur. So, the stage of nishta, steadiness, that comes when the parabdha and aparabdha pap has been removed, then this is called nishta bhajane avikshepena satatyam. There is a continual engagement in bhakti without vikshep, distraction of mind. Au niveau de nishta, qui vient après donc l'élimination des karmas, du péché, du cœur, alors c'est un niveau où il n'y a plus aucune oscillation du mental. Mm. Then the stage comes ruchi. In the morning we heard that in the stage of bhav the heart is melted by three types of abhilas. Mm? The three types of ruchi, and they're three different types of abhilas or strong aspirations. Ce matin, nous avons entendu que le cœur fond par trois types de abhilas, trois sortes d'aspirations. Who remembers what are the three types of abhilas? Qui se souvient des trois sortes de abhilas? Yes. Yeah, one is the strong desire to see your Ishtadeva. No, to attain. To attain, yes. Yeah. Then, Bhagavat Prat Abhilas. Then the second one is to serve him, to give a favorable service. Bhagavat Anukul Abhilas. Then, and then the third one is to actually have a very close, intimate friendship with your Ishtadeva. Yes, yes. And that is called. It's not so hard to remember. I'm giving you a clue. It's not so hard to remember. So it's called Sohar Abhilas. I could not give you a bigger clue than this. Sohar Abhilas. These are three types of ruchi. In the stage of bhav, the heart is melted by these. But these types of abhilas, they come from the stage of ruchi, but it's not until the stage of bhav that they actually cause the heart to melt. Donc ces trois abhilas, ils viennent au niveau de ruchi, mais c'est seulement au niveau de bhav qu'il crée cette fondre le cœur. Now the question comes, what is the difference between abhilas in the stage of ruchi and abhilas in the stage of asakti? Donc une question qu'on pourrait se poser, c'est quelle est la différence entre abhilas au niveau de ruchi et abhilas au niveau de asakti? Srila Deshanta Thakur Thakur is saying ruchi abhilas aha kintu buddhi purvakeyam asaktistu swarasiki swabhaviki tyartaha. In the stage of ruchi, those three types of abhilas, they're manifesting in the heart. But to experience them, the devotee has to give direction from his intelligence. Oh, now hear this, chant about this, remember that. And then when by buddhi purvakam, that is, with the prior application of his own intelligence, he begins to engage, then these desires are experienced. The abhilas is experienced. So that's called buddhi purvakam, with the application of intelligence. But in asakti, it is called swarasiki, or swabhaviki. It is natural. Even without trying to apply his intelligence in bhajan, these desires are there all the time. Au niveau de Ruchi, alors le sadhaka doit vraiment appliquer son intelligence pour stimuler ses désirs, ses trois abhilas, alors qu'au niveau de Asakti, alors c'est quelque chose qui est complètement naturel. Il n'a pas besoin d'appliquer son intelligence, ça se fait complètement naturellement. So, then, in the stage of Asakti, gradually those desires become stronger and stronger, until the heart is melting. Oh Krishna, when will I see you? When will I serve you? When will I have an intimate friendship with you?
au niveau de Asakti. Alors ces trois abhilas s'intensifient tellement que le cœur fond et le sadhaka est là. Oh Krishna, quand est-ce que je te verrai? Quand est-ce que je pourrai te servir? So then, Sri Chaitanya Mahaprabhu is giving one example from the teachings of Lord Kapil Dev, how a devotee goes from Shraddha to Bhav and to Prem by hearing Harikatha in Sadhu Sangha. Sri Chaitanya Mahaprabhu donne un exemple qui est donné par Kapila Dev sur comment le sadhaka il va de Shraddha à Bhav à Prema en prenant la compagnie des sadhus. Satam prasangan mama virya samvido bhavanti rit karna rasayana katha tadyoshanat aswab varga vatmani swadharati bhakti anukramisati. This verse came in the previous chapter. You have heard our explanation before. But briefly, we can say that in the association of realized saints, the Supreme Lord is saying the discussion of my qualities and pastimes is very powerful. It's full of virya, power, spiritual power. Dans la compagnie des sadhus, alors Krishna lui-même dit que les discussions autour de ma beauté ou de ma puissance deviennent très très puissants, virya. Virya sambhito. What kind of power is there? Sambhit shakti. The Krishna's self-revealing potency is there in those talks. Donc la sambhit shakti, l'énergie de connaissance de Krishna est là présent dans les discussions. And bhavanti ritkana rasayana kata. This kata acts as a rasayana, a tonic that invigorates the devotee. And it's very pleasing to the heart and to the ear. Cette kata est comme un rasayana, un tonique spirituel qui va vigorifier le cœur du dévot et qui est très douce à son cœur et à son oreille. Tadyoshanat asvapavargavartmani swadharati bhakti anukramisati. By hearing, then, the apavargavartmani, that is the path of liberation, how to transcend this world, that becomes open and clear to the devotee. Et en écoutant, alors la voie de la libération de ce monde devient ouverte et très claire pour le dévot. Liberation is called here apavarga. La libération ici est appelée apavarga. Because in Sanskrit, the letters of the alphabet, the varnakram, are arranged in vargas. Parce que en sanskrit, les lettres de l'alphabet sont arrangées en vargas. Like this. So the pavarga is pa-pa-ba-ba-ma. These are the letters in the line of P called pivarga. Donc le pivarga, c'est toutes les lettres qui sont dans la lignée du P. So there's pa and pa, pa and then aspirate, pa and pa. Il y a pa and pa. And ba and pa. Pa and pa. And ma. Ma. So pa means parabhav, defeat, embarrassment. Pa veut dire parabhav, la défaite, l'embarrassement. Yeah? In life, you will have to be defeated, you have to be embarrassed. Dans la vie, on sera parfois vaincu et embarrassé. You may be a champion sports person, but after a few years, you start to become old and some young person will come and defeat you and you'll be embarrassed. Peut-être vous êtes un champion de sport, mais à un moment, on va un petit peu perdre sa vitalité et un petit jeune va venir et paf, il va vous embarrasser. This is the world where we are just waiting to be embarrassed. Donc c'est la nature de ce monde, on attend juste d'être embarrassé. By one inconvenient and pathetic situation after another. Par différentes situations pathétiques les unes après les autres. So that is called pa. Opa can mean parishram, hard work. Ça peut être aussi parishram, c'est-à-dire le travail dur. Everyone has to work hard in this world, only to survive. Tout le monde doit travailler dur dans ce monde, tout simplement pour survivre. So then pa and then pa. Pa means pain. Pain means foam coming from your mouth. Ha, your pain qui veut dire la salive ou la bave qui vient. Means you have to work so hard until foam is coming from your mouth. C'est-à-dire qu'on travaille tellement dur que au bout d'un moment on a de l'écume qui sort de la bouche. Have you seen horses pulling a cart? After some time, there's foam. Vous avez vu sans doute des chevaux qui tirent un chariot et au bout d'un moment ils commencent à avoir de l'écume qui sort de la bouche. Then pa pa ba means bandhan.
all this activity you are doing is not helping the situation. It's making you more and more in bandhan, bondage. Et tied up in the karma. Bandhan, ça veut dire être attaché, l'attachement. Donc toutes ces choses que nous faisons, le travail difficile, etc., ça va pas nous aider, au contraire, ça va nous attacher encore plus. So then papa bha, bha means bhai. Then you grow old and death is coming and you have bhai, fear. Bhai, ça veut dire la peur. Pourquoi? Parce que nous vieillissons et la mort approche, donc il y a cette peur. And then for the grand finale, ma. Ma means mrityu, you die. Et pour le grand final, ma mrityu, ça veut dire la mort. So, this world is called pavarga. These five things. C'est pour ça que ce monde en sanskrit est appelé pavarga. So, liberation is called apavarga, to get free from these five things. Et la libération, c'est apavarga, être libéré de ces cinq choses. So, when we hear Harikatha in Sadhusanga, we understand how to transcend these five things. Quand nous écoutons le Harikatha avec les sadhus, alors nous pouvons comprendre comment se libérer de ces cinq choses. Oh, it can also mean that the sadhu, he may describe his own path, how he transcended this world. Ça peut vouloir dire aussi que le sadhu explique sa propre voie par laquelle il est passé pour transcender ce monde. Like Narad Muni in the first canto explained to Vyasadeva how in his previous life, he met with some sadhus, he was hearing Harikatha, taking their remnants, and taste came, and gradually he attained a beautiful, eternal, spiritual body as Narada Muni. Tout comme par exemple l'exemple de Narada Muni dans le premier chant qui explique à Vyasadeva comment dans sa vie précédente, comme un enfant, il a pu servir des sadhus, prendre leur reste de nourriture, et par cela il a obtenu le goût, puis un corps complètement spirituel de Narada Muni. Or Gop Kumar explain how he became perfect and went to Goloka Vrindavan to the Brahmin Janasharma. Et Gop Kumar qui explique à Janasharma, le Brahman, comment il a pu aller jusqu'au monde spirituel. Or how Jadbharat explained to Rahugan also. Ou Jadbharat explique à Rahugan. When Rahugan was angry with him because he wasn't carrying the palanquin nicely. Then Rahugan Maharaj chastised him very severely. Quand Rahugan Maharaj il était dans son palanquin et que Jadbharat il portait et qu'il faisait des à-coups sur le palanquin, alors Rahugana il a commencé à gronder Jadbharat. He was very sarcastic. Il était très sarcastique. He said, "Oh, maybe you are tired because you've been carrying the palanquin for so long." Il y a peut-être que tu es fatigué parce que ça fait tellement longtemps que tu portes le palanquin. You carried it such a long way. Tu l'as porté depuis tellement longtemps. But he'd only just joined the team. Mais en fait, on sait tous qu'il venait juste de commencer à porter. Perhaps it's because you are very lean and thin. You don't have the strength. He was very strong. Peut-être c'est parce que tu es tout chétif. Mais en fait, non, Jadbharat était très costaud. Ouais. Don't you know? I am the king and you are my subject. If you don't serve properly, I'll punish you. Ne sais-tu pas que je suis le roi et tu es mon sujet? C'est si tu ne me sers pas de façon juste, alors je pourrais te punir. So then, Jadbharat said, oh, what you have said about me is true. I did not carry this palanquin very far at all, because I am not carrying it at all, because I am not this body. Jadbharat a dit, oui, c'est vrai ce que tu as dit, ça fait pas longtemps que je porte ce palanquin. En fait, je le porte pas du tout parce que je ne suis pas ce corps. So you are right. I am not a lean and thin. Because I am not this body. Et oui, je suis pas tout chétif parce que je ne suis pas ce corps. And at the moment, you are playing the role of king and I am playing the role of subject. But we are none of these things. And over many lifetimes, in one life we are king, in another lifetime we are subject. We are going through many births. Et oui, pour l'instant, t'es le roi, moi le sujet, mais nous n'avons rien à voir avec cela. Et au fur et à mesure des vies, alors les rôles changent et s'inversent. So if you want to punish me, then you can. Alors si tu veux me punir, tu peux me punir. Then Rahugan, he folded his hands and he gave pranam. He said, "Who are you?" Et donc Rahugan, il a joint ses mains, il a offert ses hommages. Il dit, mais qui es-tu? Are you Kapil Rishi? I was going to his ashram to meet with him. I was looking for Sadhu Sangha. Est-ce que tu es Kapil Rishi? Parce que j'allais justement à son ashram pour avoir la compagnie d'un saint. Are you Kavi Havi Antariksho, one of the Navayogendras? Est-ce que tu es un Kavi
Then Bharat Maharaj said, no. Have you heard of a king named Bharat Maharaj? Et donc Jad Bharat dit, non, est-ce que tu as entendu parler d'un roi qui s'appelait Bharat Maharaj? So then Raghugan said, yes, yes, he was a great emperor, one of my ancestors. Et il a dit, oui, j'ai entendu parler de lui, c'est un grand empereur, en fait il est de ma dynastie. When he was young, he left everything behind and went to the forest to do bhajan and attain perfection. Quand il était jeune, il est parti dans la forêt pour faire de son bhajan et il a atteint la perfection. So then Jad Bharat said, oh, I was that Bharat Maharaj. Et là Jad Bharat il dit, oh, j'étais ce Bharat Maharaj. So then Raghugan Maharaj was amazed. And he had very strong faith in the words of Jad Bharat. Et donc Raghugana Maharaj, il était très incroyable, et il avait une foi vraiment ferme dans les dires de Jad Bharat. So sometimes a great Vaishnava may tell us how they became perfect, and if we are fortunate to hear it, then our faith becomes very strong. Donc parfois certains grands Vaishnavas nous expliquent comment ils ont atteint cette perfection, et si nous avons la fortune d'entendre ces descriptions, alors notre foi devient très ferme. And as we go on hearing Shraddha, Rati, Bhakti, Anukramishyati, from the stage of Shraddha up to Bhava and Praying, all these stages develop gradually. Si nous continuons d'écouter, alors toutes ces étapes, depuis Shraddha jusqu'à Bhava et Prem, nous passons toutes ces étapes graduellement. So Harikatha is extremely powerful. Donc Harikatha est vraiment très très puissant. Yate Thvadiya Charanam Bhuja Kosha Gandham Jigranti Karna Vivarai Suti Vata Nitam Bhaktya Grihita Charana Parayata Tesham Naipasinata Charanam Guru Hatsopumsam. Yetu Thvadiya Charanam Bhuja Kosha Gandham. Oh my Lord, by listening to Harikatha, the devotee can smell the fragrance of your lotus feet through their ears. Oh, mon Seigneur, en écoutant ton Harikatha, alors les dévots peuvent sentir l'odeur de tes pieds de lotus à travers leurs oreilles. It's quite amazing, because usually we smell through the nose. Alors c'est assez incroyable parce que généralement on peut sentir les choses par le nez. But you can smell the fragrance of Sri Krishna's lotus feet through your ears. Mais on peut sentir la fragrance des pieds de lotus de Krishna à travers nos oreilles. Jigranti kana vivarai suti vata nitam. How it's carried on the breeze of the words of the Vedas. Comment? Parce que cette fragrance est transportée par la brise des Vedas. So bhaktya grihita charana parayata tesham naipasinata charanam burat sapumsa. And when Sri Krishna, the fragrance of his lotus feet enters into the ears of the devotee, then the devotee's heart is blossoming like a lotus flower. Et lorsque la fragrance des pieds de lotus de Krishna entre dans l'oreille du dévot, alors le cœur du dévot s'épanouit comme un lotus. And see Krishna, who is like a bumblebee, is attracted by the fragrance of the heart of that devotee, and he comes and stays there, and he never leaves that devotee's heart. Et ce Krishna qui est comme une abeille est attiré par la fragrance du lotus du cœur du dévot, et il prend refuge et ne le laisse jamais. So in this verse, two lotuses are discussed. Dans ce verset, deux lotus sont. First, Krishna's feet are like a lotus flower. D'abord, les pieds de Krishna sont comparés à une fleur de lotus. In the first line, yetu tadiya charanam burhat. And then, in the last line, naipasinata charanam burhat sohumsa. The heart of the devotee is said to be like a lotus. Et le cœur du dévot également est dit être comme un lotus. What does it mean? Qu'est-ce que ça veut dire? The meaning is this, that when the devotee listens to Harikatha and smells the fragrance of Krishna's lotus feet, then he becomes so eager to go to Krishna. Like when a bumblebee smells the fragrance of a lotus, he becomes very excited and wants to go to that lotus flower. Ça veut dire que quand le dévot entend, enfin, sent
la fragrance des pieds de lotus de Krishna, alors il devient très excité d'aller vers ces lotus, tout comme l'abeille devient complètement excité. And the heart of the devotee is like a lotus with the fragrance of brain, and Krishna becomes excited like a bumblebee to go and meet with his devotee. Et le cœur du dévot va dégager une fragrance du prême, de l'amour divin. Et Krishna est tellement attiré par ça qu'il est comme une abeille. So, the devotee is like a bumblebee, intoxicated and mad for the nectar of Krishna's lotus feet. And on the other side, Krishna is like a bumblebee, mad and intoxicated for the nectar of the heart of the devotee. Donc le dévot est comme une abeille qui est complètement folle et qui veut absolument goûter le lotus des pieds de Krishna, et Krishna est comme une abeille qui est complètement intoxiquée et devient folle pour goûter le cœur du dévot. So when a devotee who has such a relationship like this of unbreakable love for Krishna, and Krishna has unbreakable love for him also, when that devotee speaks, then the fragrance of Krishna's lotus feet comes to the audience. They all become like bumblebees also. And Krishna goes to their hearts as well. And it's going on and on and on. This is called Guru Parampara. Donc quand un dévot a cet amour incassable pour Krishna, et que Krishna a un amour incassable pour son dévot, alors lorsque ce dévot parle, alors l'odeur ou la fragrance des pieds de lotus de Krishna se répandent et va dans le cœur de tous ceux qui écoutent, qui deviennent comme des abeilles qui veulent également goûter l'amour de Krishna. Et donc, de cette façon-là, ça se répand, et c'est ce qu'on appelle la Guru Parampara. So, the Sadhu Sangha, the association of Vaishnavas is very important. Sadhu Sangha, la compagnie des Vaishnavas, est extrêmement importante. And that Sadhu Sangha should be done with the greatest honor. Et cette Sadhu Sangha doit être vraiment faite avec beaucoup d'honneur. This is why it is said, Bhakta Paraduli Ar Bhakta Parajal Bhakta Bhukta Abhisheshatin Mahabal. The dust of the lotus feet of the devotee, the water which has washed the lotus feet of the devotee, and the remnants of the devotee's food, these three are Mahabal, greatly powerful, because they easily give Krishna prana. Donc il est dit dans ce verset que la poussière des pieds de lotus du dévot, l'eau qui a lavé les pieds du dévot, et les restes de sa nourriture sont trois substances qui sont extrêmement puissantes pour donner l'amour de Dieu. Because to search for these treasures, that means one is offering the greatest honor to the Vaishnava, and then the Swarup Shakti from the heart of the devotee comes to our heart. Et parce qu'en cherchant ces trois substances, alors le dévot va vraiment honorer grandement le Vaishnava, et la Swarup Shakti qui est dans le cœur de ce grand Vaishnava va inonder le cœur du dévot. When Chaitanya Mahaprabhu was in Jagannath Puri, then every year a big group of Vaishnavas from Navadvip, they used to come to Puri for the Rath Yatra and stay there during Chaturmasa. Quand Chaitanya Mahaprabhu était à Jagannath Puri, alors tous les ans il y avait un groupe qui venait de Navadvip de Nevo et qui venait passer Chaturmasya à Puri. So one year there was a devotee, he was a great devotee, he was the uncle of Raghunath Das Goswami. His name was Kalidas. He also came with that group. Une année, alors un dévot qui était l'oncle de Raghunath Das Goswami, qui s'appelait Kalidas, il est venu avec ce groupe. So Raghunath Das Goswami's family, they were Kayastas, so they're technically Sudras, but they were very wealthy. La famille de Raghunath Das Goswami, techniquement ils étaient des Shudras, mais ils étaient très riches. So Kalidas, he only used to always speak the names of Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. He didn't speak anything. Et Kalidas, il était immergé dans le chant des saints, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, et il ne parlait de rien d'autre. Even sometimes for a joke, he would go to people who were playing gambling with dice, and he would take their dice, and when you say take the dice, then you have to say the numbers that you want to throw, and he would take the dice and say, Hare Krishna. Parfois pour blaguer, quand il voyait des personnes jouer au dé, qui jouaient au jeu de dire le numéro que les dés allaient faire, alors il prenait les dés et il faisait comme ça, Hare Krishna.
So don't gamble. It's against the regulative principles. Alors bien sûr, ne jouez pas au jeu de hasard. C'est contre les principes régulateurs. But he was a Mahabhagavat. We cannot imitate him. So just for in jest, he used to do this. Lui, c'était un Mahabhagavat. Donc on peut pas imiter simplement. Il faisait ça. So Kalidas, his mood was such that I want to take the remnants of all the Vaishnavas. Kalidas, il avait vraiment ce mood de je veux pouvoir goûter les restes de tous les Vaishnavas. So it said that how many Vaishnavas there were in Bengal, that's how many remnants he took. Et donc il est dit que le nombre de Vaishnavas qu'il y avait au Bengal, c'était le nombre de restes qu'il avait réussi à prendre. He used to purchase some boga and then go, especially to the homes of Vaishnava Brahmins, and then bow down to them and give them the boga, and then when they've offered it to Krishna and taken, then he would beg, please give me some. Il est dit qu'il allait chercher des mangues du boga. Il allait spécialement dans les maisons des Vaishnava Brahman. Il offrait le boga, les fruits, et lorsque Brahman Vaishnava offrait à Thakurji, puis manger le prashad, alors Kalidas il demandait, est-ce que je peux avoir un tout petit bout des restes? Because I am very low caste and you are a Brahmin, you are the guru of society, so please give me some remnants. Parce que moi je suis vraiment d'une caste très inférieure, toi tu es le guru, le maître spirituel de toute la société, donc donne-moi un petit peu. So sometimes they would give remnants and sometimes they would refuse to give remnants out of their own humility. Parfois certains donnaient les restes, mais d'autres par humilité ne voulaient pas donner les restes. And so then he would leave, but he would hide outside the house. Alors ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait semblant de partir et il se cachait derrière la maison. And then, after they finished eating, and they throw their leaf plates out into the place where they throw the leaf plates in the garden, then he would come out of his hiding, grab the plate, and then and lick the leaves. Et donc, quand le Vaishnava finissait de manger dans des assiettes en feuilles de bananier, il allait jeter la feuille de bananier sur le tas de compost, et il rentrait dans la maison, et là, quasi discrètement, il allait, hop, il prenait, et il mangeait les restes, comme ça, de l'assiette. So, once there was one Vaishnava named Jaru Thakur. Et un jour, il y avait un Vaishnava qui s'appelait Jaru Thakur. And Jaru Thakur was from a low caste. Jaru Thakur, il était d'une caste très inférieure. And poor. Très pauvre. So even though Kalidas is from technically low class, but they are very respected in society because they were landholders and very wealthy. Et Kalidas, lui, venait d'une famille qui était techniquement basse, mais parce qu'ils avaient beaucoup de terres, ils étaient très respectés dans la société parce qu'ils étaient très riches. So Kalidas came there to the house of Jaru Thakur with some mangoes wrapped up in leaves. Et Kalidas est venu dans la maison de Jaru Thakur avec une mangue qui était recouverte de feuilles. And he came there and then he gave pranams. Oh Jaru Thakur, my pranams to you. Please be merciful to me. Et il est arrivé, il a dit, oh Jaru Thakur, mes hommages à toi. S'il te plaît, sois miséricordieux envers moi. So Jaru Thakur was also with his wife. He gave pranams to his wife as well. Et Jaru Thakur était avec sa femme, alors il a aussi offert ses hommages à la femme de Jaru. Because they were both great devotees. Ils étaient tous deux des grands dévots. So then Jaru Thakur, he was embarrassed and he also gave pranam to Kalidas. Jaru Thakur était très embarrassé, alors il a offert ses hommages en retour à Kalidas. And Kalidas said to him, I am very much in need of your mercy, so I request one thing from you. Can you just put your lotus feet on my head so I can get your foot dust? Bhakta Padaduli. Kalidas, je suis venu te demander un grand service. Est-ce que tu peux faire ça pour moi? Simplement mettre tes pieds de lotus sur ma tête, comme ça j'aurai la poussière des pieds d'un riche. So Jaru Thakur said, oh Kalidas, I am a very fallen person and you are very very poor person and you are very rich and respectable. This is not appropriate for you to ask this. Et Jaru Thakur dit, mais non, mais moi je suis tellement misérable et toi tu viens d'une famille très tellement exaltée. Non, non, c'est pas du tout dans l'ordre des choses. So then Kalidas, he began to give some Shastra Praman. Kalidas, il a commencé à se justifier par les écritures. He said, no, no, no. In the Shastra, it is said, Krishna himself said, Nami Bhakchas Chatho Vedi Mad Bhakta Swapacha Priya. The
Tasmai dayam tato grihan sacha pujo yatam yaham. Krishna himself has said that if a person is a Chaturvedi Brahmin, learned in all the four Vedas, but he's not my devotee, then he's not worshipable. Alors Kalidas, il a commencé à justifier par les écritures. Il dit non, Krishna, il explique dans la Bhagavad Gita, il a dit que si quelqu'un est un Brahman qui a la connaissance des quatre Vedas, mais s'il n'est pas mon dévot, alors il ne m'est pas du tout cher. But if there's a person born in an outcast family of dog eaters, but he's my devotee, he's very dear to me. Krishna dit, mais si à l'opposé, si quelqu'un est né dans une famille de mangeurs de chiens, s'il est mon dévot, alors il m'est très cher. So, you are supposed to give charity to a Brahmin or receive gifts from a Brahmin and do puja. Krishna said, if someone is from the outcast dog-eating family, but he's my devotee, you can give charity to him, you can receive gifts from him, and he is as worshipable as me, the Supreme Lord. Généralement, dans cette société hindoue, on est supposé faire la charité aux brahmanes et offrir des dons pour la puja, etc. Mais Krishna il dit, non, si cette personne est dans une famille de mangeurs de chiens, il est mon dévot, alors tu peux lui faire la charité, lui donner des cadeaux, recevoir des cadeaux, et tu devrais l'adorer comme tu m'adores moi, le Seigneur suprême. If a brahmin has all the 12 brahminical qualifications, but he is not my devotee, then he is useless. He cannot deliver himself, what to speak of deliver others. Si un brahman a les 12 qualités brahmaniques, mais il n'est pas mon dévot, alors il ne sert à rien parce qu'il ne peut pas ni se délivrer lui-même, ni délivrer les autres. But if an outcast person is my devotee, he delivers himself and his whole ancestors, family members. Et alors que si quelqu'un d'un hors caste, il est mon dévot, alors il peut se délivrer lui-même ainsi que toutes ses ancêtres. Oh, bataswa patato garyan yats jiva grey vartate nama tubhyam te postaposte juhuvo shashno arya brahmanacho nama krenanti yate. Then he quoted another verse that says that if someone is from an outcast dog-eating family, but the holy name, the syllable of the holy name of Krishna, only kri comes on the tip of the tongue. You see, when you say kri, the tip of your tongue goes like this. Only one syllable of the name kri will come on the tip of the tongue. Then it's to be understood that in the previous life, this person has done all austerities, studied all the Vedas, bathed in all the holy places. He's an Aryan and he has all brahminical qualities from the last life. And now he's in the next level. Krishna dit aussi que si quelqu'un qui est dans un hors caste, si une petite syllabe du saint nom comme Kli se met sur le bout de sa langue, alors ça veut dire que dans sa vie passée, il s'est baigné dans toutes les rivières sacrées, il a étudié tous les Vedas, il a fait toutes les austérités, et il a toutes les qualités brahmaniques, et maintenant il est passé à un autre niveau supérieur. So then, when Jarutaka heard all these verses, he said, yes, the Shastra is true, Satyam, it is true, but I am not a Vaishnava, so this does not apply to me. Alors Jarutaka a dit, oui, c'est vrai ce que tu dis, tous les Shastras disent la vérité, mais le problème c'est que je ne suis pas un Vaishnava, donc ça ne s'applique pas à moi. I don't have such shakti. Je n'ai pas telle puissance. So then, Kalidas, he said, well, you accept this gift, and he left the mangoes there. Alors Kalidas, il dit, bon, bah, ok, au moins accepte cette mangue. Il a laissé la mangue. Then he gave pranam to Jarutakur and asked his permission to go. Et il a offert ses hommages à Jarutakur. Il a demandé la permission de partir. So if you have a respectable guest, they just don't say bye and they go. You have to follow them to the edge of your property, at least. Et donc, cette culture-là nous explique que quand vous avez un invité très respectable, alors c'est pas vous qui dites bon bah salut, non, vous l'accompagnez jusqu'à la porte de votre propriété. So then, when Kalidas was leaving, Jarutako followed him down the path,
And then he went. Et donc, quand Kalidas partait, alors Jalutakur l'a suivi le long du chemin jusqu'à dans de sa propriété, puis il est parti. So Jalutakur turned around, went back into his house. Jalutakur s'est donc revenu sur ses pas pour retourner dans sa maison. But Kalidas did not go. He came back. Et Kalidas, c'est pas qu'il est parti. Il a regardé et il est revenu discrètement. And where Jalutakur was walking with him up to the gate, he could see the footprints were clearly visible in the sand. So he came and he took the dust from the footprints and smeared. Et donc, il a bien vu à quel endroit il avait posé ses pieds dans le sable. Jalutakur, alors, il est venu. Kalidas, il a pris tout le sable qui était là, il l'a répandu partout sur son corps. So then, Jalutakur, while he was outside getting the dust from his footprints, Jalutakur was inside and he saw the mangoes there wrapped up in the leaves. Et donc, Jalutakur n'a pas vu, il est rentré dans sa maison et là il a vu la belle mangue qui était dans ses feuilles. Oh, then, with no bell, no achaman cup, nothing. Only in his mind, he remembered Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna. And in his heart, he was feeding Krishna these delicious mangoes. Et donc, sans petite cloche, sans achaman pot, etc., il a simplement visualiser Krishna dans son cœur en chantant Hare Krishna, Hare Krishna, et il a nourri dans son cœur Krishna avec cette délicieuse mangue. Because he has prayed, Krishna is like a bumblebee living in his heart and would leave the lotus of his heart. So Krishna was happy to receive that nectar from his devotee. Parce qu'il est empli de prema dans son cœur. Krishna est venu comme une abeille et ne laisse pas son cœur, donc il était heureux de manger la mangue dans son cœur. He did not even open them from the leaves. Il n'a même pas enlevé les feuilles, etc. But by his bhav, in his ecstatic mood, he had offered them. Et par son bhav, son humeur extatique, il a pu les offrir. So then, the wife of Jalutakur untied the leaves. Alors la femme de Jalutakur a ouvert, enlevé les feuilles. And then she offered it to her husband. Et elle a offert la mangue à son mari. So then, he opened it and he was biting off all the flesh of the mango from the skin and sucking on the pips. Et donc Jalutakur l'a ouverte et a mangé toute la chair de la mangue sur la peau et a sucé le noyau. And then, when he'd finished, then his wife, she took some more from the, scraped some more from the skin and sucked on the pip as well to get more juice. Et puis sa femme également a mangé les restes vraiment de la chair qui restait sur la peau et a sucé encore le noyau. So then she wrapped the pieces of skin and the pips back in the leaf and went outside and threw it in the ditch where they throw the leaves. Et donc a pris la peau avec le noyau, l'a remis dans les feuilles et puis elle allait le jeter sur le compost. Et donc, and then Kalidas was hiding, he was waiting. He came out and then he got the leaves and opened it and took out the pits and et donc Kalidas, he was tasting the Vaishnava Uchista, the remnants of the pure Vaishnavas. Kalidas qui était caché, alors il est venu sur le tas de compost, il a pris ça pour un trésor, il a commencé à le manger. Et il a pu goûter le Uchista, les restes des Vaishnavas. So, when that year, when all the Vaishnavas went to Puri, that Kalidas came with them. Donc cette année, quand tous les Vaishnavas allaient à Puri, alors ce Kalidas est venu avec eux. And every day, Chaitanya Mahaprabhu, from the house of Kashi Mishra, he used to go to have darshan of Lord Jagannath. Chaque jour, Chaitanya Mahaprabhu, depuis la maison de Kashi Mishra, il allait prendre darshan du Seigneur Jagannath. So he would go to the Singhadwara gate. Il prenait la Singhadwara gate, la porte du lion. Then, going through this gate on the north side, there are some steps going down. Donc cette porte qui est sur la face nord du temple, il y a des escaliers qui descendent. And at the bottom of the steps, there's one ditch. And Govinda Das, Mahaprabhu's servant, used to come with him carrying a kamandalu of water. And when he got there, then he would pour the water on the lotus feet of Mahaprabhu to wash them before he went into the temple. Et Govinda Das, le serviteur de Chaitanya Mahaprabhu, il avait toujours un kamandalu, comme un petit pot avec de l'eau. Et en bas des escaliers, il y avait ce petit fossé ou ce petit caniveau. Et là, il lavait les pieds de Mahaprabhu pour qu'il puisse après rentrer dans le temple. When Mahaprabhu went in the temple, Govinda Das had to wait there for the water to sink into the sand. Et quand Mahaprabhu partait dans le temple, alors Govinda Das restait là pour voir que l'eau vraiment rentrait dans le sable. Because Mahaprabhu had given strict instructions to Govinda, don't let anyone touch this water.
parce que Mahaprabhu avait donné une instruction très stricte à Govindadas, ne laisse personne toucher cette eau. Mm-hmm. So, but this time, Kalidas was following Chaitanya Mahaprabhu, and when Govindadas was pouring the water on his feet, then Kalidas came and three times. Then the fourth time, Mahaprabhu said, "It's enough." Donc, mais cette fois-là, en fait, quand Govindadas commençait à laver les pieds de Mahaprabhu, Kalidas discrètement est arrivé, et trois fois comme ça, a pu boire de l'eau, et la quatrième fois, Mahaprabhu lui a dit, ça suffit. I have fulfilled your desire as far as possible. J'ai comblé ton désir le plus que j'ai pu. So Mahaprabhu never let anyone do this, but he let Kalidas do it. Mahaprabhu jamais ne laissait faire ça à qui que ce soit, mais il a laissé Kalidas le faire. Directly take his charanamrita. Directement prendre son charanamrita. Why? Pourquoi? Because Mahaprabhu's heart was melting due to the respect that he showed to all the Vaishnavas by trying to take their remnant. Pourquoi? Parce que won the heart of Mahaprabhu by this move of respect. Parce que le cœur de Mahaprabhu fondait quand il voyait le respect que Kalidas avait envers tous les Vaishnavas à vouloir prendre leur reste. So afterwards, when Mahaprabhu was taking prasadam, Kalidas was standing outside the door. Et puis, quand Mahaprabhu prenait son prasad, alors Kalidas était derrière la porte. And Govinda, who was very attentive to the service, Mahaprabhu just went like this, just an indication, and Govinda knew, when he's finished taking prasadam, I should go and give the remnants to Kalidas who's waiting outside. Et donc Govindadas qui était très très attentif parce que c'était vraiment son service, Mahaprabhu avec quelques signes des yeux a fait comprendre à Govindadas, ok, les restes quand j'aurai fini tu vas les offrir à Kalidas. He didn't say only by indication. Il l'a pas dit simplement avec les yeux. So then Kalidas got directly from the plate of Mahaprabhu. And he directly received his Mahaprasadas. Kalidas directement de l'assiette de Mahaprabhu a reçu le Mahaprasadam. So Chaitanya Mahaprabhu was explaining to Srila Sanatana Goswami, Sadhu, Sadha, Tatha, Sadhu, the importance of Sadhu Sangha, and by honoring and respecting Sadhus, Krishna is very pleased, and when we hear Harikatha, very easily Krishna comes running and wants to live in the heart of the devotee. Mahaprabhu expliquait à Sanatana Goswami comment, dans la compagnie des sadhus, en écoutant les sadhus avec un grand respect, alors Krishna vient comme une petite abeille dans le cœur. So, bhakti is a completely personal process. It's not a mechanical process. La bhakti, c'est un processus personnel. Ce n'est pas du tout un processus mécanique. It is not like Ashtanga Yoga. C'est pas comme l'Ashtanga Yoga. Oh, you have to sit like this and then breathe like this. Then what do you do? Faut s'asseoir comme ça, respirer trois fois comme ça, deux fois comme ça. No, Krishna is a person. Non, Krishna c'est une personne. And he personally loves his devotees. Et il aime personnellement ses dévots. Who are persons? Qui sont aussi des personnes. And if we are also persons. And we show respect and love to Krishna's devotees, then Krishna gives love to us. Et si nous, qui sommes aussi des personnes, nous montrons de l'affection et du respect pour les dévots de Krishna, alors Krishna viendra à nous. Everything is personal. Tout est personnel. Nirvishesha shunyavadi pasteata desha tarine. Srila Prabhupada came to get rid of all impersonalism. And give the personal path. Dans le Pranam Mantra de Srila Prabhupada, il est dit qu'il est venu pour éradiquer tout le mood impersonnel et nous montrer la voie personnelle. So then, Mahaprabhu said, Jahara ridae bhavankulohoe taiti ete kachina sarva shastrakai. If one has the bhav, that is, this bhav is sprouting in the heart, ankur, then the person will develop some symptoms. Quelqu'un qui a ce bhav qui commence à naître dans son cœur, alors il va avoir certains symptômes. So then Mahaprabhu is giving 9 symptoms which are visible in the behavior of a person in whose heart this bhav has appeared. Mahaprabhu, il nous donne 9 symptômes que nous allons pouvoir voir pour reconnaître celui dans le cœur duquel le bhav commence à s'éveiller.
Kshantir avyartakala tvam viraktir mana shunyata ashabanda samutkanta nama gane sataruchi asaktistadguna khyane putistadvasatistale ityadi anubhavasyo jata bhavam kure jane. So the stages are shanti, means the person is very forgiving and not disturbed by material circumstances. Donc shanti, ça veut dire qu'il est, il pardonne beaucoup, il n'est pas du tout perturbé par des circonstances extérieures. Adgartha kalatvam means the devotee does not want to waste even one second of time in frivolous worldly activities. Puis le dévot ne veut pas perdre ne serait-ce qu'une seconde dans des activités frivoles de ce monde. Virakti means the devotee has a natural distaste for the so-called pleasures of the material world. Puis le dévot qui a le bhav dans son cœur, il a un dégoût naturel pour les plaisirs de ce monde. Then mana shunyata, this devotee is completely devoid of any pride. Puis ce dévot est complètement libéré de la fierté. Then ashabanda. Ashabanda means, the word asha means aspiration. And bandha means a bondage. So it's the binding of aspiration that is a very strong conviction that Krishna will, one day Krishna will give his mercy to me. Ashabanda, il a vraiment la ferme conviction que un jour Krishna me donnera sa miséricorde. He has complete confidence in that. Il a une confiance totale en cela. Mm-hmm. So then, samutkanta means he's overwhelmed with eagerness to serve Krishna. Il est submergé par un désir intense de servir Krishna. Nama gane sadaruchi, and he always has taste in chanting the holy names. Et il a constamment du goût lorsqu'il chante les saints. Every time he is chanting japa or kirtan, then he is relishing new and new realizations. À chaque fois qu'il chante le japa ou le kirtan, alors il peut goûter toujours des réalisations toujours nouvelles. Asatistad guna khyane, and the devotee is very much attached to speaking about Krishna's qualities. Et le dévot est très vraiment attaché à pouvoir parler des qualités de Krishna. And finally, putistadvasatistale, he has great love for the places of Krishna's pastimes. Puis il a beaucoup d'amour et d'attachement pour les lieux où Krishna a manifesté ses divertissements. Like Keshigat, Bansi Bart, Seva Kunj, Nidhuvan, Nandagaon, Govardhan, tous ces endroits, Radha Kund, all these places. So these are the anubhavs, or the reactions, the outer symptoms of someone in whose heart this divine transcendental bhava has appeared. Donc ça, ce sont les symptômes extérieurs que nous pouvons voir chez un dévot dans le cœur duquel ce bhava, ces émotions spirituelles se sont manifestées. So now Chaitanya Mahaprabhu will give one example for each of the 9 symptoms. Puis Mahaprabhu va donner un exemple pour chacun des 9 symptômes. So first he's giving verse from Srimad Bhagavatam 1:19-15. Puis donc il donne en premier un verset du Srimad Bhagavatam, du premier chant, 19e chapitre et 50e verset. Tammo payatam pratiyantu vibra ganga cha devi dritam chittam ishe jivopa sristako kastakshakova dasvatthalam gayata vishnugataha. This is a verse spoken by Parikshit Maharaj. C'est un verset qui a été parlé par Parikshit Maharaj. So perhaps you know that once Parikshit Maharaj, being a king, he used to go hunting in the forest. Donc peut-être vous savez qu'un jour Parikshit Maharaj, qui était un roi, était parti chasser dans la forêt. And he'd been riding on his horse for a long time, and he became very thirsty. Et il avait chevauché son cheval pendant très longtemps. Il a eu
il a commencé à avoir soif. So he saw that there was an ashram of a sage named Shamik Rishi. Il a vu qu'il y avait un ashram, l'ermitage du sage Shamik Rishi. So he said, if I go there, then the Rishi he will give me some water. Donc il s'est dit, bah, si je m'arrête dans son petit ermitage, alors le Rishi va me donner un petit peu d'eau. But Shamik Rishi was completely in samadhi, in a trance. Mais Shamik Rishi était en pleine samadhi, dans la transe de la samadhi. So if a person is in samadhi, even if you fire a gun by the ear, they won't hear it. Une personne qui est dans un total samadhi, alors vous pouvez tirer avec un pistolet à côté de son oreille, il va rien entendre. But Parikshit Maharaj, he was hot and he was tired and he was thirsty and he came, oh, can you please give me some water? And he didn't, though the sage didn't hear, but he thought the sage was just ignoring him and pretending to be in samadhi. Et donc Maharaj Parikshit, qui avait soif, qui avait chaud, qui était fatigué, il a demandé au sage, est-ce que tu peux me donner de l'eau? Et Shamik Rishi, qui était absorbé en samadhi, bien sûr, n'a rien entendu, mais Maharaj Parikshit pensait qu'il faisait simplement une simulation pour ne pas avoir à aller lui chercher de l'eau. So Parikshit Maharaj, he thought, oh, this is not good, he's being disrespectful. So he took his bow, and with the end of his bow, he picked up the body of a dead snake, and he put it around, like a garland, around the neck of the Rishi while he was meditating. Alors, Maharaj Parikshit s'est dit, oh, c'est pas vraiment respectueux ce qu'il fait. Donc, avec le bout de son arc, il a vu qu'il y avait un serpent mort. Il a pris le serpent et il l'a placé autour du cou du sage, tout comme on place une guirlande. So then he went away. Puis il est parti. But the young boy named Sringi Rishi, the young son, he came and saw the dead snake on his father, and he said, oh. May that person who put this dead snake on my father, I curse him that he will die in 7 days from the bite of Takshak. Et donc, le fils de Shamik Rishi, quand il a vu autour du cou de son père le serpent, alors il était très fâché, donc il a pris son cordon brahmanique et il a dit, celui qui a fait ça à mon père, je le maudis qu'il va mourir dans 7 jours. De la morsure d'un serpent volant. Because he may be a king, but he disrespected my father, so he should die. Peut-être il était un roi, mais il a manqué de respect à mon père, donc il mourra. It was out of love for his father. Il a fait ça par amour pour son père. But then immediately afterwards, then he realized, oh, I made a mistake. Et donc Sringi, tout de suite après, il a réalisé, oh là là, je crois que j'ai fait une erreur. Because the king, he's protecting all the people from the criminals. Pourquoi? Parce que le roi il protège tous les gens contre les criminels. Et parce que les criminels, si le roi est puissant, alors les criminels ne vont pas prospérer dans la société. And now I caused him to die. Et là maintenant, je l'ai maudit. The boy began to cry. Et l'enfant a commencé à pleurer. After some time, then Shamik Rishi came out of his samadhi and he saw the dead snake and he just threw it off. For him, it was not an important thing. Donc Shamik Rishi est sorti de son samadhi. Au bout d'un moment, il a vu le serpent autour de son cou. Il l'a juste enlevé. Pour lui, c'était rien du tout. And then he saw his boy. Why are you crying? Et il a vu son fils. Mais pourquoi est-ce que tu pleures? Then his son told him what happened. Et son fils lui a dit ce qui était passé. Oh, so then he sent a messenger to the king. Alors il a envoyé un messager au roi. So now Parikshit Maharaj, he's the emperor of the whole world, very powerful, very young and rich and successful. Donc Parikshit Maharaj, qui était en fait l'empereur du monde, qui était très puissant, très jeune. And the news came, now you have been cursed to die in 7 days. Mais la nouvelle est venue à lui que tu as été maudit, tu mourras dans 7 jours. See, the Prabhupada used to say, philosophy means to understand that Yamaraj is standing behind you. La philosophie, c'est de comprendre que Yamaraj, qui est le débat de la mort, est juste derrière toi. Memento mori. Remember that you are mortal. You will die. Souviens-toi que tu es mortel et qu'un jour. This puts a perspective on everything in our life. Et ça, avec ce souvenir, le souvenir de la mort, alors toutes les choses de notre vie sont mises en perspective. So then, Parikshit Maharaj. Instead of being upset, oh, I'm so young and wealthy and successful, and I have to leave all my comfort, he was actually happy. Et Parikshit Maharaj, au lieu d'être de refuser cette
malédiction et de se dire ah non, c'est pas possible que je vais mourir alors que je suis si jeune, si je suis l'empereur, etc. Non, au contraire, il était heureux, il a accepté totalement. So this is a good opportunity to become detached from the world. C'est une très bonne opportunité de devenir détaché du monde. So he took off his crown and his armor, and in simple clothes, he left the palace and went to sit on the bank of the Ganges. Alors il a enlevé sa couronne, son armure, et avec un habit très simple, il est parti au bord du Gange. So just then, even though there was no internet or SMS, but the rishis, great sages from all over the world gathered there. Et à ce moment-là, alors qu'il n'y avait aucune moyen de communication par internet ou SMS, tous les sages de l'univers entier sont venus avec lui au bord. From all over the world, all over the universe, they came. De l'univers entier, pas seulement de la Terre, mais ils sont venus. There was Bhrigu Rishi, Atri Rishi, Vishishtha Rishi, Vishvamitra, Angira, Gautam Rishi. Il y avait tous ces rishis. Maitreya Rishi, Narad Muni, Vyasadeva. Yeah. All of them. Tout cela. And afterwards, Shukadeva Goswami came also. Et puis finalement, Shukadeva Goswami est venu. So when all these sages came, now the king he bowed down to them. Et quand tous ces sages sont venus, alors le roi a offert ses hommages. And he informed them that I have decided to stay here and fast until death. Et il a dit, ben voilà, je vais rester ici. No food, no water. Je vais jeûner un jeûne sec, pas de nourriture et pas de liquide. Jusqu'à la mort. No sleep. Et je ne dormirai pas non plus. He said that he told the rishis, we are very grateful that you have come here. Et il a dit aux rishis, je suis vraiment très empli de gratitude que vous soyez venus à moi. Because usually you sages who have no attachment to this world, you consider us kings, the royal family, who are very attached to this world, to be like a trash that should be just left outside. But still you have come to me, so I am very grateful. Parce que vous qui êtes des sages complètement détachés du monde, vous généralement vous considérez nous les rois qui sommes très attachés au monde comme quelque chose de vraiment quelque chose, vous ne faites pas attention à nous, mais là je vois que vous êtes venus me voir, donc c'est pour ça que je suis vraiment rempli de gratitude pour vous. Parikshit Maharaj said, I am very impure. Parikshit Maharaj a dit, je suis vraiment impur. I am very attached to my home and my family. Je suis tellement attaché à ma maison, ma famille. And I have done a great sin of disrespecting a Brahmin. Et j'ai fait un grand péché, une grande erreur à manquer de respect à un Brahmin. So there was no chance for me to come out of my entangled situation. Et il n'y avait aucune chance pour moi de me sortir de toute ma situation attachante. So I consider that the Supreme Lord Krishna himself has now come to me in the form of the curse of this Brahmin. Et donc je considère que le Seigneur Suprême Krishna est venu à moi sous la forme de cette malédiction du Brahmin. So that I could become detached and come out from this situation. Otherwise there was no way out for me. Pour que je puisse d'un coup me détacher et sortir de cette situation. Parce qu'en fait, sinon, il n'y avait aucune solution pour moi. So then, he prayed this verse. This is the verse that Mahaprabhu is quoting now. Which is the example of Shantir, to be forgiving and to never be disturbed by any difficult situation. Donc là, c'est ce verset que Mahaprabhu, il cite pour donner un exemple de Shantir, c'est-à-dire quelqu'un qui est plein de pardon et qui n'est pas du tout perturbé par les situations extérieures. Tamopaya tam pratayantu vipra. It means, O sages, O brahmanas, please accept me as a soul who is surrendered to Krishna. O grand sadhu, O grand sage, s'il vous plaît, acceptez-moi comme une âme qui est abandonnée à Krishna. And he sees the Ganges, he does not think this is the river. This is the goddess. And he prayed, and O Mother Ganges, you also accept me as Krishna's servant. Et lorsqu'il voit la rivière du Gange, il ne voit pas ça comme une rivière, mais il la voit comme la déesse du Gange. Et il dit, oh, déesse du Gange, acceptez-moi aussi comme un serviteur de Krishna. So, let that serpent, or whatever being was manifested by the curse of this Brahmin,
May that serpent come and bite me at once. Let it happen. Laissons ce serpent qui a été invoqué par ce brahman, la malédiction du brahman, me piquer et me tuer. Dasatvalam gayata Vishnu gata. My only desire is that you all go on singing the glories of Krishna. Mon seul désir est que vous puissiez chanter continuellement les gloires de Krishna. So if he can be in the association of sages and kirtan is going on, then let me die, no problem. Si je peux être dans l'association accompagnée des Vaishnavas et que les gloires de Krishna sont chantées, alors je peux mourir. Il n'y a aucun problème. Can you do it? Est-ce que ce serait possible pour toi de me faire ça? Think about it very carefully. Essayez vraiment de méditer là-dessus très avec beaucoup d'attention. Because Parikshit Maharaj, he will die in 7 days. Parce que Parikshit Maharaj, il va mourir dans 7 jours. And you will also die in 7 days. Et vous allez aussi mourir dans 7 jours. Either you will die on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday or Sunday. One of these days you will die. It's coming for sure. Et ça vient, ça c'est sûr. You cannot avoid it. Vous ne pouvez pas l'éviter. You cannot resist it, you cannot deny it. Vous ne pouvez pas le dénigrer ou y résister. So what will you do? Qu'est-ce que vous allez faire? It can happen anytime. Ça peut arriver à n'importe quel moment. So, a person who has the bhav come in their heart, even death, they have no fear, they can tolerate even someone cursing them to die. Donc quelqu'un qui a le bhav dans son cœur, alors même la mort qui arrive par une malédiction par exemple, alors il l'accepte totalement. Now here, Parikshit Maharaj saying, I think that Krishna himself has come in the form of this curse. On voit Maharaj Parikshit qui dit ici que Krishna est venu personnellement sous la forme de cette malédiction. So the inner meaning of this is that because he has left everything and come on the bank of the Ganga and all the rishis have come, so because the rishis are carrying Krishna in their heart and Krishna is manifest wherever the Vaishnavas are doing kirtan, this is why he thinks Krishna has come in the form of the curse. You understand? The sadhu sangha, where there are sadhus, Krishna is there. So Krishna is coming to him now in the form of sadhu sangha, but because of the curse. La signification cachée de ce qu'il dit que Krishna est venu sous la forme de la malédiction, c'est que grâce à cette malédiction, alors tous les sadhus de tout l'univers sont venus et qu'ils vont chanter les gloires de Krishna. Et on sait que Krishna a dit qu'il est personnellement présent là où ses gloires sont chantées. Donc c'est la raison, la signification cachée de ce que dit Maharaj Parikshit, que la malédiction du brahman, ça a amené Krishna sous la forme de ces sadhus qui vont. Because Krishna said, na ham basami vaikunte yoginam ridena cha yatra gayanti mad bhakta tatra tisthami narada. Oh Narad, I don't live in Vaikuntha and I don't live in the hearts of the yogis, but where my pure devotees are singing, doing kirtan, I stay there, Narad. Krishna, il dit à Narada Muni, oh Narada, je ne vis pas à Vaikuntha dans le monde spirituel et je ne vis pas dans le cœur des yogis. Je suis simplement personnellement présent là où mes purs dévots chantent mes gloires. So then, Mahaprabhu said, Krishna sambandha vina koila vyata nahi jai. The person who is established in relationship with Krishna, then they never let one moment pass without engaging in Krishna's service. Les dévots qui sont vraiment établis dans le service de Krishna, ils ne laissent pas une seconde, un moment passer sans qu'ils soient engagés dans le service de Krishna. So how Mahaprabhu explain this, we'll tell tomorrow morning. Et quel exemple Mahaprabhu va donner pour expliquer cela, on en parlera demain matin. Kantra chin bhagatam ki jai, chandran gauhari ki jai, sanatan goswami pad ki jai, gaur premanandi ki jai. Sadhu, sadhu, sadhu.